Le métier de manager d'une équipe entretien-ligne, c'est de s'assurer que la maintenance est faite en temps et en heure. Et puis, on pilote également l'entretien de la végétation aux abords de nos ouvrages. Le manager, dans son activité quotidienne, rappelle les bonnes pratiques et notamment notre obligation de prendre en compte l'environnement. On ne travaille plus comme il y a, je dirais, 15-20 ans. Aujourd'hui, l'environnement est pris en compte, on fait attention à limiter notre impact. Et les jeunes qui arrivent, eux, sont déjà au fait de l'environnement, sont très, très à l'écoute. Ici, c'est la pointe de Courpin, c'est un site protégé. Nous, on a des ouvrages qui passent dans les lignes aériennes, c'est une 90 000 volts. Et pour garantir le transit, il faut qu'on respecte des distances de sécurité vis-à-vis de la végétation. La somme que mettait RTE pour l'entretien de la végétation va être confiée à LNE, Loire et Nature Environnement, pour faire cet entretien lui-même. Et du coup, la nature, l'environnement et la biodiversité seront protégés et respectés. Nos lignes aériennes passent dans des espaces protégés et les gestionnaires de ces espaces n'ont pas les mêmes préoccupations que les gestionnaires que nous sommes des ouvrages de transport. Mais le but, c'est qu'à la fin, chacun fasse un pas vers l'autre et qu'on tombe d'accord pour une solution et que tout le monde y trouve son compte. Ce que j'aime dans mon métier de manager, c'est le contact. On est en contact permanent avec les personnes, les agents de l'équipe, les tiers, les riverains, la direction. On est le point d'entrée de l'équipe entretien-ligne, et ça me plaît. Je suis Devic Gérard, je suis le responsable de l'équipe entretien-ligne du groupe Maintenance Réseau Sologne depuis 2009.